de ce journal en religion. Remise des comptes bancaires au pasteur identifié par la Commission nationale des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Célébration des 50 ans de l'Association des églises baptistes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Actualité internationale, Ebola recule, le Libéria ouvre ses frontières et lève le couvre. Et en Israël, la vieille ville de Jérusalem sous la neige. Mesdames et messieurs, bienvenue sur BeniTV pour cette nouvelle édition d'information. Démarrons ce journal en religion. Les pasteurs identifiés par la Commission nationale des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire ont reçu gratuitement leur numéro de compte bancaire. Une action qui a été très bien reçue par les ministres de Dieu. Suivons le reportage. Enfin, le rêve est devenu une réalité pour les pasteurs de Yopougon grâce aux efforts du révérend général Makoso Kami, commissaire des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire. Les pasteurs officiellement identifiés ont pu obtenir leur compte bancaire totalement gratuit, compte qui leur permettra d'obtenir des subventions de l'État et de plusieurs structures internationales. Le révérend Makoso Kami profita pour mettre en place le directoire national des églises protestantes évangéliques pour des élections présidentielles justes et transparentes, invitant les pasteurs à rester apolitiques. Le révérend Makoso a informé les pasteurs que le rôle du directoire serait de recevoir tous les candidats à la présidentielle en vue de présenter leur programme de société aux 8 millions d'évangéliques via le directoire. Nous sommes apolitiques. Nous sommes apolitiques. Jamais nous ne devons vous dire, nous avons rencontré tel homme politique, venons, on va voter pour lui. L'Église est apolitique. Mais le jour des élections, l'Église n'a pas de candidat, tous sont nos enfants. Frère, nous sommes en 2013. La tentation va se faire. Faisons attention. La rencontre convoquée par le révérend Makoso Kami vit la participation des représentants du maire de Yopougon convoqué par le général Makoso pour s'expliquer sur les mesures prises par le maire de Yopougon concernant le problème des nuisances sonores menaçant plusieurs églises. Le révérend Makoso Kami a invité le maire à laisser prier en paix les pasteurs de peur de se voir sanctionnés aux prochaines élections. Les présidents d'église ont accepté avec une grande joie le programme de l'arrivée du général de Dieu Kandem Dienudor du Cameroun. Les présidents d'église ont accepté avec une grande joie le programme de l'arrivée du général de Dieu Kandem Dienudor du Cameroun, déclaré meilleur prédicateur francophone de l'année 2014, comptant plus de 21 résurrections de morts à travers tout son ministère, venant du 11 au 14 mars 2015 pour des temps de miracle au stade de la BAE. Le révérend général Makoso Kami a fait de l'année 2015 l'année de la prospérité des pasteurs officiellement identifiés. Prochaine étape est le mercredi 25 février à 13h à la salle polyvalente de Vridi pour les pasteurs de Port-Boué. Que Dieu bénisse. Lancement des festivités du cinquantenaire de l'Association des églises baptistes évangéliques de Côte d'Ivoire. Compte rendu, Irène Bailly. L'Association des églises baptistes et évangéliques de Côte d'Ivoire, AEBC, née en 1965 à Korogo dans le nord de la Côte d'Ivoire, est créée à l'initiative des églises issues du travail missionnaire de la Mission Baptiste de Côte d'Ivoire, une mission américaine connue aujourd'hui sous le nom de World Venture. Cette association, dont le siège social se trouve à Korogo, compte environ 40 000 membres, 463 communautés et 137 pasteurs formés afin de paître le peuple de Dieu selon la doctrine vraie de Christ. Aujourd'hui, en 2015, l'AEBC a 50 ans. 50 ans qui ne sauraient passer inaperçus car c'est le temps du jubilé. Quoi de plus normal de célébrer ce moment? C'est dans l'optique de fêter cette grande institution chrétienne et la faire connaître que l'AEBC a réuni la presse et tous ceux qui prennent part à sa croissance depuis toutes ces années à la cérémonie officielle de lancement de ses activités. Concentrée dans le nord majoritairement musulman, l'AEBC célébrera son cinquantenaire à travers un colloque les 6 et 7 mars prochains sur le thème l'AEBC, hier, aujourd'hui et demain, ce sera à Boaké et la fête populaire pour glorifier le Seigneur pour sa grandeur à Korogo le 18 avril 2015. Toujours en religion, les fidèles de la mission évangélique La Puissance de la Foi ont honoré leur père spirituel, prophète Ézéchiel Séa, à travers un culte spécial qui marquait la présentation des vœux à l'homme de Dieu.
Cette cérémonie s'est déroulée ce dimanche dans la commune d'Abobo, au siège de la mission. Suivons le reportage. Les fidèles de la MIRE, mission internationale de réveil et d'évangélisation, dirigée par l'apôtre Ngué Saint-Paul, sise dans la commune de Cocody, Angré, ont communié avec le Saint-Esprit ce dimanche 22 février 2015 à travers un culte spécial qui marquait la convention de la dite mission et l'apothéose de 21 jours de jeûne. Une initiative de l'apôtre Ngué Saint-Paul, président fondateur de la MIRE. Ce dimanche était la convention de l'église doublée de la consécration de la servante de Dieu, Madia Sokome, venue du Gabon. Ce programme a été particulièrement marqué par la présence des différents représentants de la MIRE, d'Adiaké, d'Abou et Yopougon. Ce sont la prière, la louange et la prestation des chantres qui ont précédé la prédication. Après ces différentes articulations, le père de la maison, l'apôtre Ngué Saint-Paul, président fondateur de la MIRE, a instruit le peuple sur l'esprit du lion. Un message s'appuyant sur Juge, chapitre 13, et qui a pour objectif de réveiller le lion en toi. On a été assez agneau. Franchement, agneau jusqu'à finalement, on ne peut pas faire sacrifice à ma vie. Je refuse que tu sois toujours agneau. Il faudrait que tu reviennes de notre côté et reconnu les hommes. Parce que Dieu me dit à même que je parle de toi. De notre service, on pense qu'on est bête, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas où on va. Il y a des gens à qui tu ouvres ton cœur pour dire que je t'aime de tout cœur. Dors dans ma maison, sois à mes côtés. La personne pense qu'il n'y a pas quelqu'un autour de toi, que c'est lui seul. Alors, il te prend quelqu'un qui n'a pas de bonnes réflexions. Mais je vais te dire ce matin, à partir d'aujourd'hui, celui qui va se foutre de toi, tu lui donneras un million pour lui. À la suite de ce message fort, prêché par l'homme de Dieu, place à la consécration de la servante de Dieu. Un acte posé par l'homme de Dieu qui permet désormais à la servante de l'Éternel, Madia Sokome et Jeunie, d'exercer officiellement le ministère en représentant les églises MIRE au Gabon. Seigneur, tu m'as confié la mission d'être bâtisseur. Voici une personne que je vous envoie. Venez être devant le trône du Père. Voici une personne que j'envoie devant vous. Soyez avec elle, et que les anges et les archanges du troisième ciel résistent. Et je soumets les arbres, les anges et la nature à ton service. Après, nous t'offrons cette Bible pour que tu l'aies comme épée afin d'accomplir l'œuvre de ton Père. Que Dieu vous bénisse. Suivons à présent quelques impressions. J'ai été invitée au programme de la tempête de prière. Aujourd'hui, vraiment, le Seigneur s'est vraiment manifesté dans la vie de tout le monde. La puissance de Dieu a été vraiment révélée à chacun de nous. Et nous avons vu, au travers de l'enseignement du pasteur Sam, que les malédictions qui étaient sur nos vies ont été brisées. Direction le Nigeria. Le Nigeria doit s'engager pleinement dans la lutte contre les islamistes Boko Haram, qui contrôlent de vastes territoires dans le nord-est de ce pays, a déclaré le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, dimanche 22 février à Niamey. Regardez. Les questions qu'elle voudrait lui poser. C'est qu'il est nécessaire qu'il y ait un plein engagement du Nigeria dans la lutte contre Boko Haram. Vous me direz, c'est l'évidence, puisque Boko Haram est né sur le sol du Nigeria. Sans doute, mais il faut bien comprendre que le nord du Nigeria est très éloigné d'Abuja et de Lagos, tandis que le nord du Nigeria est géographiquement très proche à la fois du Niger, du Tchad et du Cameroun. La France fournit des renseignements qui sont extrêmement précieux sur les mouvements de Boko Haram pour que nos amis des différents pays puissent réagir. La France nous aide à faire face à cette menace qui est non seulement sahélo-saharienne, mais qui est une menace mondiale, comme vous le savez, comme on dit, qui tient l'Afrique. Hein. Imaginez que les terroristes occupent le Sahel, c'est l'Europe qui va être immédiatement
exposés. Non, on n'est pas parti pour une guerre de 10 ans, plaise à Dieu. Je pense que nous avons les forces qui sont déjà en place. Si ces forces-là peuvent être financées, peuvent être équipées, je pense qu'on viendra à bout de Boko Haram assez rapidement. Comme annoncé dans les titres, 6 mois après son entrée en vigueur, le Libéria va lever son couvre-feu dimanche 22 février, a annoncé la présidente Ellen Johnson. Les frontières du pays, l'un des plus touchés par le virus Ebola, vont également rouvrir, mais la date n'a pas été précisée. Reportage. Réouverture des frontières au Libéria après une décrue d'Ebola. La présidente Ellen Johnson Sirleaf l'avait annoncé durant le week-end et la mesure a pris effet hier. Le couvre-feu en vigueur depuis août 2014 dans le pays a lui aussi été levé. Le Libéria est l'un des 3 pays les plus touchés par l'épidémie avec la Sierra Leone et la Guinée. À eux 3, ils ont enregistré près de 9500 victimes. Nous terminons cette actualité en Israël. La vieille ville de Jérusalem était recouverte de neige vendredi dernier, y compris l'esplanade des mosquées, alors qu'une vague de froid frappe la région. Reportage. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Restez toujours connectés sur Béni TV et que Dieu nous bénisse.